un résultat décevant malgré un adversaire qui semblait être à la portée avant le match. Qu'est-ce qui a manqué au jeune Grenat pendant cette rencontre ? Ouais, c'est très décevant parce qu'on a bien travaillé sur cette pause, on a fait une bonne préparation. Je sentais l'équipe prête et le résultat aujourd'hui est vraiment très difficile à expliquer. Je ne sais pas si le groupe globalement s'est fait prendre un peu par la crispation parce que c'est un match important, on doit absolument le gagner pour revenir un petit peu dans la course. Et j'ai l'impression que tout était compliqué aujourd'hui. Tout était compliqué, on a vu techniquement énormément de déchets, beaucoup de choses qu'on avait mis en place qu'on n'a pas réussi à réaliser. Dans les intensités aussi, probablement l'adversaire nous a été supérieur. Et puis voilà, on a subi un match sans réussir à faire valoir tout ce qu'on avait préparé. Et malgré le résultat, laissons à côté le résultat, est-ce que par rapport au jeu, à ce qui était proposé sur le terrain, vous avez pu voir des choses qui ont été appliquées par rapport à ce que vous avez travaillé pendant la trêve ? Non, j'ai vu qu'il y avait des intentions d'appliquer ce qu'on avait travaillé, mais aujourd'hui, il faut dire que la réalisation n'était pas bonne. Et puis voilà, c'est un match complètement sans, sur beaucoup d'aspects. Maintenant, voilà, il faut garder la tête haute, parce qu'il a été travaillé, c'est quand même là. C'est juste qu'il faut comprendre les raisons pour lesquelles aujourd'hui, on n'a pas réussi à les exprimer. Et dernière question, pendant la trêve, il y a eu 4 renforts plus expérimentés du reste de l'équipe qui sont arrivés. Est-ce que vous trouvez que ils ont déjà pu donner aux autres joueurs un peu de l'expertise, des progrès par exemple? Bah, sur ce match-là, c'est clair qu'au vu de la prestation, on ne peut pas en tirer une information positive. Mais disons que par rapport au quotidien, chaque jour, les entraînements, c'est quand même des joueurs qui sont à même d'amener quelques conseils. Malheureusement, aujourd'hui, c'était un échec collectif. Et je crois que même eux, aujourd'hui, ont été en difficulté.